Mets-moi une ambiance un petit peu plus sombre. Voilà, là on est plutôt pas mal. Les amis, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous connaissez Among Us? Among Us. C'est un jeu qui passe partout en ce moment. Il est partout ce jeu, il est partout. Et vous avez été super nombreux à me demander d'y jouer. Eh bien écoutez, j'ai l'opportunité de vous donner une vidéo sur Among Us. Among Us. Avec du beau monde, on a Cyril, on a Inoxtag, on a Chechounet, on a plein de personnes. On est 10 au total. C'est un Among Us spécial YouTuber. Et pour ceux qui ne connaissent pas Among Us, puisque je suis en train de répéter le jeu à chaque fois, là, ça se trouve, il y a des gens qui se disent, mais bah, je vais vous le dire. Among Us, en gros, c'est un loup-garou. On va être 10 enfermés dans un vaisseau spatial. Parmi ces 10 personnes, 8 seront des innocents et 2 seront des imposteurs. Le rôle des innocents va être simple. Ils vont devoir effectuer certaines tâches tout en faisant attention. Il faut ouvrir l'œil. Les imposteurs peuvent être absolument partout. Et pour les imposteurs, évidemment, leur rôle, ça va être de tuer absolument tout le monde sans se faire remarquer. Il y a 2 choses à prendre en compte. Les imposteurs et les innocents peuvent absolument tous effectuer 2 actions. La première, c'est un buzzer qu'il y a au milieu de la salle principale. Si on a un doute sur quelqu'un, une action un petit peu bizarre, qu'on a vu quelque chose, on peut appuyer sur ce buzzer et directement exposer ses doutes à tout le monde. La deuxième action, c'est lorsqu'on tombe sur un cadavre, on peut report le cadavre. Et du coup, ça déclenche exactement la même scène, une scène où tout le monde peut discuter et exposer ses doutes. Attention, certaines actions ne sont faisables que par les imposteurs. Allez dans la ventilation, si vous voyez ça dans l'imposteur, et également le sabotage où on peut saboter telle ou telle chose pour ralentir la progression des innocents. Bref, vous comprendrez lorsqu'on jouerait, il y a plein de petites subtilités, mais je vais découvrir le jeu avec vous puisque c'est les premières fois où je vais y jouer. Je vous souhaite un très bon visionnage, c'est parti pour Among Us spécial YouTuber. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, c'est parti pour un massacre. Ok, bon, j'ai 5 minutes de jeu, en fait, concrètement. J'ai des tâches à faire, il y a 2 imposteurs, il y a 8 crewmates, en gros, innocents. Et il faut qu'on fasse notre petite tâche tout en se faisant pas buter et en trouvant s'il y a des... Quel bâtard. Putain. Les gars, j'ai duré 40 secondes. Putain, déjà. C'est Sora. Oh, voilà, le pauvre. Bon, bah, c'est moi, Zanar. C'était où? J'ai trouvé c'était Sora, enfin, ce qu'il en restait, devant le truc électrique. Et du coup, je peux pas parler. Je dois les laisser parler. Je peux pas parler. Je suis mort, en fait. Je peux rien dire, putain. Je crois que c'est Glappy qui m'a tué, je crois. Moi, je peux dire c'est pas Gizzy et c'est pas Zanar. Parce qu'ils étaient avec moi. Mais oui, c'est Glappy. Il parle même pas, il dit rien. Moi, j'ai vu Jibs et Ayoub à droite, tout à droite au cockpit. Ouais, donc, ça peut pas être eux. C'est impossible. J'ai tellement envie de parler. Putain. En vrai, Glappy il a rien dit, il est bizarre, on sait pas où il est. Exactement. En fait, le truc c'est que j'étais en bas, je faisais les fils et j'ai vu Glappy, mais il venait de la droite. Non, c'est Glappy les gars, allez dans ce sens-là, allez dans ce sens-là. Il dit rien en plus. Go skip, on est pas sur la. Ouais, skip. Putain, ils vont pas voter Glappy. C'est trop tôt. C'est trop tôt, bah oui. Adieu Sora. Ah non, je suis parti trop tôt. Merci Cyril. C'est cool en tout cas ce tournage. Et du coup, moi, alors, même si je suis mort, hein, même si je suis mort, je dois continuer à faire mes petits bails. J'ai quand même voyé une liste de tâches en haut à gauche. Je dois quand même faire ces petits trucs-là. Donc, même si je suis mort dans ce jeu, bah, tu continues à taffer, frère. Tu continues. Tu t'arrêtes pas. J'ai une petite carte aussi. Alors, les gars, par contre, je suis complètement perdu. En fait, tous les points d'exclamation, j'ai une mission. Sauf que eux ne me voient plus, par exemple. Eux ne me voient complètement plus. Alors, les missions, c'est vraiment. C'est level CM2. Hein. Vraiment, c'est. Y'a rien de compliqué. Bon, par contre, c'est pratique parce que du coup, je peux traverser absolument tout ce que je veux. Mais ouais, j'ai joué 5 minutes et je me bats contre des mecs qui ont joué 5, 10 heures et tout. Qu'est-ce que je fasse, moi? Oh, ah, on a perdu Ayoub. On va écouter ce qu'ils ont à dire. Cyril, oh bah j'étais à côté de toi. Alors, et le cadavre était à droite. Tu m'attaques, Chechounet. C'est trop marrant, j'adore. Skyros et Inoxtag m'ont fait peur. Ah, Inox, j'ai des gros doutes. En sachant qu'il y a Glappy, il faut trouver le deuxième maintenant. Ouais, à côté, Glappy ne parle pas, hein. Il se fait oublier. Mais tellement facilement, c'est incroyable, personne ne parle de Glappy, personne. Les mecs, j'y réfléchis. T'as quoi le coupable? Regardez, et justement, attendez. Ce bordel. Gizzy, Glappy, Zanar, Jibs, faites confiance, nous allons gagner ensemble. Ah mais du coup, vous avez pas voté, mais non. Putain, ça me rend ouf, Glappy me rend dingue. J'ai fini toutes mes tâches, donc j'ai plus rien à faire. J'ai juste me balader et regarder si je vois pas des petits trucs suspects et tout. Niax, il me paraît suspect. Je vais le suivre un petit peu parce qu'il me paraît suspect. Ok, ouais, meeting. Alors, j'ai cliqué sur ce buzzer parce que à un moment j'étais avec Inoxtag à Electrical et Cyril t'étais avec nous et pourquoi ma porte était fermée? Ouais, oui, pareil. Je me suis dit la même. Mais... Oh, t'es Cyril. Mais... Non. Souvenez-vous de moi quand même. Bienvenue chez les cadavres, Cyril. Bah, du coup, j'ai fait mes bails en plus. J'ai plus rien à faire. C'est que j'ai juste suivi Inox et voir un petit peu s'il est louche ou quoi. Il vient d'avoir un sabotage. C'est peut-être Gizzy en fait qui a saboté là. C'est chelou, hein. Gizzy, il est. C'est Gizzy, je pense. Je pense que c'est Gizzy. Ah, putain, c'est. Je l'ai compris à la fin. Putain. Déjà, je suis gentil avec Gizzy, il a pas beaucoup tué, d'accord? Mais oui, tu nous as tous niqué. C'est toi qui nous as tous niqué un par un. Putain. Attention aux gens qui me parlent pas. Mais oui, de où? J'ai pas de choix. Coup dur pour les crewmates. Putain, j'ai le sang.
Je suis un vieux croumette dégueulasse. Tu vas voir que je vais jamais. Eh, je vais encore. Non. C'est quoi, je colle beaucoup de personnes, tu vois. Genre, quand ils sont 12 au même endroit, je les colle. Comme ça, no problème. Ah, je suis tout seul là, ça pue la merde, je suis tout seul. Pas que je sois tout seul. Pas que je suis tout seul parce que ça pue la merde quand t'es tout seul. Non. J'ai peur. Laissez-moi tranquille. Ah, tu sais quoi, Chouna, je reste avec toi. Frérot, je reste avec toi. J'ai tellement peur. J'ai pas envie de remourir en premier, les gars. J'ai pas envie. Tac. Ok, c'est bon. Tâche complète. Non, s'il te plaît. Eh les gars, je suis en pression. Ce jeu me fait stresser de ouf. C'est pas bon ça. J'ai 3 trucs à faire dans Electrical. Bah, écoutez, je vais descendre. Hein. J'ai Chouné, depuis tout à l'heure, il est là. Je vais faire mon petit truc ici. J'ai Chouné, j'ai faux en toi, gros. Ok, accepté. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, c'est bon, nickel. Je vais continuer mes petites tâches. Non, gros. Dégage, frérot, dégage. J'ai Chou, j'ai trop peur. Pour l'instant, je vois pas de cadavre. Je vois rien du tout. Juste des mecs qui me suivent par-ci, par-là. Ce qui me stresse un petit peu, j'ai pas vu mytho. Ici, y a rien. Oh, ok. Wow. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a 2 qui sont morts. Alors, je confirme que j'étais en train de faire le download. L'upload, c'est pareil quoi. Ok, c'est toi. Toi, tu vas fermer ta gueule 2 minutes. Le cadavre était où? La pièce admin au fond à droite. Moi, ça me paraît chelou parce que j'y étais. Il y avait même avec Sora, on n'arrêtait pas de se suivre. Ouais. On aurait pu se tuer. Mais mec, tu m'as fait grave peur. Je pensais que t'allais me tuer un moment, mais rien du tout. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est que si Chechou avait voulu me buter, il l'aurait fait depuis très longtemps. À moins que vous ne pouviez pas. Non, il était toujours tout seul avec moi. On a pas cette preuve, de toute façon là. De toute façon là, c'est un peu léger au niveau. J'ai skip aussi. Oh, putain, j'ai chou. Il arrête pas de me suivre, ça me rend ouf. Ce mec me rend dingue, putain. Ah, c'est chelou ça. Ah, Inox, c'est bizarre. Inox, c'est très très bizarre, mec. Inox, j'ai des gros doutes sur lui, mec. Mais j'ai pas envie d'appuyer sur le buzzer comme ça. J'allais appuyer sur le bouton emergency parce que j'ai trouvé un truc bizarre. C'est qu'Inox, tu mets beaucoup de temps pour taper. C'est le code. Exactement ce que j'allais dire, mec. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est bizarre, gros. Mais il y a eu le sabotage au moment où je vais réparer le truc. Inox, il est devant et ça prend beaucoup trop de temps quand même. Hein. Non, mais je comprends. Les trucs comme ça, c'est chaud. Mec, t'as juste un connard, mais gros, c'est bon. Mec, allez, tu sais quoi, allez, c'est parti, ça dégage. C'est archi louche, gros. Ils sont trop bizarres, frère. De toute façon, ils sont tout le temps. Ah, Inox, là, ta défense, c'est nous. Bah, vous êtes deux. Moi, les gars, Inox est archi, vraiment, les gars, il est archi louche. Mais s'il vous plaît, quoi. Il a voté pour moi, mais bon. Ah, j'ai pas d'indice, moi je skip. Vous allez le regretter, vous le regretterez, putain. Inox, même pas tu m'approches, frérot. Même pas tu m'approches. Il est trop louche, ça me bute. Il est beaucoup trop louche. J'ai un truc à faire en admin. J'ai trop peur, en fait. Ok, j'ai fait mon bail. Très bien. On a bientôt fait toutes les tâches, mine de rien. Juste si je vois Inox, je fais demi-tour, quoi. C'est juste ça. Si je le croise dans un petit couloir comme ça, là, je suis mort. Oh merde, je suis mort. Putain, j'en étais sûr! Ah, mec, il rend fou! Putain! J'en étais sûr! Les gars, faites des efforts, okay, s'il vous plaît! Alors, je vous propose tous de voter pour le dénommé InoxTag. Putain! Merci! Sur les caméras, voilà, en train de regarder les écrans de sécurité, quand le bleu clair a littéralement découpé Sora, en fait, devant mes yeux. Ah bah, voilà. C'est étonnant, t'as tué mon Sora! Inox, une défense? Je savais, je l'avais dit. J'ai le seum de ouf. On va continuer mes petites tâches, hein. J'ai continué mes petites tâches tranquillement. Donc tac. Ah, ça, je l'ai vu, hein. Quand j'ai vu le petit bleu clair s'avancer vers moi pendant que je faisais les câbles, je vous l'ai dit, je suis mort. Nani? Ok, qui est mort là? Ah, c'est JBZ. Ok, c'est Gizzy, putain. Oh, ça rend ouf. Les imposteurs vont gagner, je pense. Non, il y avait un truc, c'était en haut à droite à désactiver. Ah, putain, il cherche il va dans le sens de Gizzy, putain, ça rend fou. Je suis désolé. Non, Gizzy, fais pas ça, mec. Je suis désolé, frère. Ouais, je crois qu'on a perdu. Ah. J'ai appuyé parce que, en fait, s'ils butaient quelqu'un. Ouais, si on meurt, ouais. Est-ce qu'ils vont prendre la bonne décision? Allez, s'il vous plaît. Sora, c'est un merde. On s'est protégé entre nous, d'accord? Et il est mort. Non, si c'est vrai, il a raison. Pourquoi je réfléchis, en fait? Ouais. Allez. Oh là 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 là. Bravo. Putain, mais Inox, gros, tu t'en es battu les couilles. Tu m'as vu, tu m'as juste déboîté, en fait. J'ai cru que t'étais tout seul, j'avais pas vu Gibbs, hein, non. Mais mec, j'étais dans le couloir et je l'ai dit, si Inox il arrive, il va me buter, je suis mort. C'est sûr qu'il y avait la caméra. Ouais, de ouf. Ok, bah écoutez, on est reparti pour nos petites missions. On va éviter de mourir en premier, ce serait vraiment cool. On va être bien attentif. Glappy, dégage, je veux pas de toi. En fait, faut vraiment éviter les face-à-face, en fait. Oh, y a un corps, okay. Tiens. Messieurs, dames, qu'est-ce que j'ai pu voir? C'était très simple. J'ai vu un corps déchiqueté de manière terrible. T'as vu des boyaux? J'ai vu du sang. D'accord. Okay. Et puisque c'est ce que vous voulez, du sang, je peux vous dire, le seul truc que j'ai vu, c'est Glappy courir à la direction opposée. C'est le seul truc que j'ai vu. Intéressant. Je ne peux pas dire que c'est lui, mais il courait dans la direction opposée. C'est le seul truc que je peux donner. Voilà.
Glapi, qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est potentiellement possible que je sois passé dans le couloir au moment des faits, mais je tiens à dire qu'il y a quand même des ventilations dans les pièces et que franchement, il pourrait se barrer par les ventilations, tu l'aurais jamais vu passer. Alors ouais, mais en fait, parce que t'es venu de ce couloir là, je trouve ça quand même très bizarre que t'aies pas vu le corps. Ouais. Alors, en gros, je vous explique. Moi, j'étais dans le storage, ok. Je suis passé par le haut du storage et ensuite je suis allé vers communication et lui, il est passé vers le bas. S'il vient de cafétéria, ça me paraît très bizarre qu'il fasse toute la boucle du storage, donc il est forcément venu de droite. Glapi, quelle était votre dernière activité? J'ai tué l'innocent, évidemment. Ok. Regarde ce qu'il cherche de lui. Je vote. On sait que Glapi ne supporte pas la pression quand il est tueur. Il est tueur. Je regarde les caméras. Hein. Ok, Ayoub était avec chez Chounet. Inox, il va pas parler par contre, hein. C'est très bizarre. Ok, bon, continue. On y va. Ayoub, il est tout seul ici. C'est très bizarre. Mais il me tuerait là, il me tuerait. C'est très bizarre. Oh mec, ça me rend... J'adore le jeu, putain. Je kiffe trop. Au début, je comprenais pas trop. En fait, plus tu joues et plus tu comprends. Et ça devient vraiment, mais super addictif. C'est un truc de ouf, putain. Ok, y'a un dead body, ok. Nous avons un cadavre. Mais que s'est-il passé? J'ai aperçu un bras dans le truc storage. T'as un indice, quelque chose? J'ai vu Xanar se faire éclater, j'étais pas loin en fait, c'était dans l'ombre. J'ai vu les éclaboussures dans la lumière en fait, et j'ai vu le nom de Xanar. Et après là, du coup Inox il a signalé en fait. Ayoub, t'as pas eu le temps d'aller voir qui a tué, et Inox il a eu le temps à ta place d'y aller? J'ai pas pu voir qui était à côté. J'ai du mal à y croire, mais ok, ouais. Bizarre. Par principe, je vote Ayoub. Allez hop, ça dégage, ça va dans l'espace, ça va faire un tour. Allez. Eh bah écoutez, je suis. On va avoir la réponse très rapidement. Quoi? J'aurais tellement pensé que c'était lui. Alors ce serait Inox du coup? Cyril, il est inquiétant de ouf. J'ai un truc à faire, mais... Il me suit ce matin. Mec, j'ai trop peur, mais dégage. Regardez comment il me suit. Putain, il me fatigue. Dégage. Regarde loin de moi. Oh putain, sabotage. C'est un sabotage de quoi? Oxygène? C'est Cyril. C'est Cyril de ouf. Quoi? C'est Inoxtag, je l'ai vu. Et c'est lui qui arrive fort. La vie de ma mère. Ah mais Skyrose, on a gagné. Si on vote tous les deux Inoxtag, je te jure, fais-moi confiance. Je te promets, la vie de ma mère. Je l'ai vu de mes propres yeux. Écoute Skyrose, Cyril, depuis tout à l'heure, il va te monter en l'air. Skyrose, ton vote va déterminer la victoire. Et ensemble, ensemble. Dans la voix d'Inoxtag, il y a de la conviction. Celle de Cyril. Non, mais non, Skyrose. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça, mon grand. Non. Mais non, mais vous êtes les pires. Putain mec, Inox il joue bien, il donne tout ce qu'il a, gros Hollywood. J'ai fait l'activité, c'est pas un comportement tueur, mais Skyrose. L'IQ est parti, il a trop joué à Call of. Allez, j'ai gagné ma gueule. Putain. Mais en plus, Inox, t'as eu du culot, hein, parce que tu m'as tué devant lui. Mais oui, j'étais devant lui. Moi, je me suis dit, c'est du 1v1, sachant que Cyril, il était bizarre toute la game, je me suis dit, vas-y, je vais la tenter. Ouais, bah mec, t'as eu raison, gros, GG. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé de fou, j'ai trouvé ça archi propre, archi carré, c'était génial. C'était la première fois que je jouais au jeu. Et au début, je suis pas serein, je comprends pas tout. Et plus ça avance, plus je comprends et plus je kiffe. Et franchement, c'est un grand plaisir. Je vais en faire en live sur Twitch, évidemment. Donc n'hésitez pas, mon Twitch est dans la description. Je live extrêmement souvent. Venez me follow, c'est gratuit. Activez la petite cloche, comme ça vous manquerez rien. Et on sera très bien ensemble. Les chaînes de tous les invités sont dans la description. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora. À très très vite. Au revoir.